don't know. Bonjour à tous, nous sommes en Espagne aujourd'hui, plus exactement en Catalogne, à Barcelone. Jiménez et moi-même, nous allons commenter cette rencontre. Le Barça face à l'Atlético de Madrid. Une rencontre importante sur le plan comptable parce que, ok, l'écart est de 3 points, c'est encore jouable, mais avec une défaite, ce serait plus la même musique. Sergio Busquets, Frenkie de Jong. Messi, Antoine Griezmann. L'intervention du gardien qui n'a pas trop eu besoin de s'employer sur ce ballon. Oui, c'est assez étonnant d'ailleurs. C'est une grosse occasion de manquer ça. Marcos Llorente. Non, elle a été interceptée cette passe. Messi toujours, personne pour l'arrêter. Ousmane Dembélé. Sergio Roberto. C'est une grosse frappe, hein. Une grosse frappe, mais de peu à côté du cadre. Elle méritait mieux, peut-être. Est-ce qu'il faut, une fois de plus, s'attendre à un gros match de Léo Messi? Poser la question, c'est déjà y répondre. Oui, c'est un vrai joueur d'équipe, très à l'aise dans l'entrejeu. Il facilite la transmission avec son rôle d'organisateur. Joao Félix. Il continue sa progression. Joao Félix. Il s'est renvoyé par Clément Lenglet. Joao Félix. Sergio Roberto. Sergio Busquets. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Il va pouvoir centrer. Ah ouais, les mains sur du gardien.
Pereira Carrasco qui a un trépied. Luis Suarez. Et finalement, Gérard Piqué qui éloigne le danger. Les joueurs du Barça opposés à un sérieux adversaire aujourd'hui. Un rapport de force assez équilibré. Je pense que ça va se jouer à pas grand-chose. Peut-être sur les coups de pied arrêtés. Ousmane Dembélé. On ne sait pas ce qu'il voulait faire, mais il a rendu le ballon à l'adversaire. Marcos Llorente. Suarez. Et l'ouverture du score, et c'est signé Luis Suarez. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Oh, il y a des solutions, il y a danger. Il fallait le récupérer, hein, ce ballon. Ça, c'est un bon ballon récupéré. Coquet, qui a un trépied. La passe pour João Félix. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Ousmane Dembélé. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Oh, la mauvaise relance. Sortie impeccable du gardien qui est venu se coucher dans ses pieds. L'attaquant n'a même pas eu le temps de faire accrocher. Ah, ça ne passe pas. Sergio Roberto. Ouais, l'arbitre a sifflé hors-jeu. Hors-jeu. Ballon récupéré par Sergio Busquets. Ah non, mauvaise passe. Le ballon qui est rendu à l'adversaire. Le ballon perdu au profit de Luis Suarez qui est venu tacler. Il avait vu venir. Ousmane Dembélé, Sergio Busquets, Antoine Griezmann. Ah non, c'est pas bien fait ça. Ok. João Félix. Ouais, le coup de sifflet de l'arbitre, il y avait hors-jeu. Dembélé. Messi. Léo Messi, balle au pied. Est-ce qu'il va centrer ? Sergio Roberto. Pour Busquets. De Jong. Sergio Roberto. Un centre pour Messi. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Kadic qui a faute, coup franc pour le Barça. C'est pour un coéquipier dans la surface. Ouais, ça va être difficile hein, de surprendre le gardien avec ce genre de ballon. Ouais, à cette distance, il y a quand même moyen de faire autre chose. Le gardien était là, mais c'est plutôt le joueur qui rate. On arrive à la fin de cette première période. L'Atlético qui est devant pour l'instant. Ouais, dans quelques minutes, les colchoneros vont pouvoir souffler et mettre en place un dispositif pour garder leur avantage jusqu'à la fin. Mauvais dégagement là, attention. Busquets. Jordi Alba en position idéale pour centrer. Oh, il est contré ce centre. La touche pour le Barça. Jordi Alba. Sergio Busquets. Ballon perdu par le Barça. Ah oui, c'est bien fait ça. Allez, c'est jouable pour Carrasco qui peut certainement faire quelque chose d'intéressant. Oh oui, magnifique intervention de Ter Stegen. Il a vraiment bien joué le coup, le gardien.
Ouais, bien tiré ce corner. Et non, ça va s'arrêter là. Clément Langlais qui finalement éloigne ce ballon. Lionel Messi. Touche en faveur du Barça, on s'approche un peu des buts. Il a raté sa touche, le ballon récupéré par l'équipe adverse. Le bon ballon. Ça c'était dangereux, bonne intervention. Allez, ça joue vers l'avant. Il n'a rien lâché, c'est bien. Allez, mi-temps, c'est la mi-temps. Léger avantage au moment de regagner les vestiaires, 1-0. Pierre, la première période de Luis Suarez, qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Les joueurs qui viennent de donner le coup d'envoi de la seconde période. C'est pour le moment l'Atlético Madrid qui a pris la direction des opérations. João Félix. Mario Hermoso. Avec Coquille. João Félix. Bon, il a réussi à passer. Il a gagné son duel dans la surface. Coutinho qui perd ce ballon. Sergio Busquets, le bon ballon dans la profondeur. Une balle d'égalisation. Ouais, ils ont réussi à s'en sortir, mais ils ont eu un petit coup de chaud là. Hakim De Jong. Lionel Messi. Ouais, il a bien lu le jeu. Il y a peut-être moyen de placer un contre, hein, attention. Ça manque de monde hein, derrière. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Ouais, la bonne passe en profondeur de Griezmann. Mal joué, mal négocié ce ballon. Ah, il y a tout le couloir là pour l'Atlético. Attention, il est passé. Ah, il aurait dû retarder son appel. Jordi Alba. Allez, dans le couloir. Il faut qu'il centre là. Ah, il a bien lu ce centre, le gardien. Oh, c'est Mario Jiménez. João Félix. Oh, il a vu son partenaire, bien joué. Yannick Carrasco. Oh, c'est juste à côté. Ouais, dommage. C'était plutôt joli ce qu'il a fait. Jordi Alba. Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre. Plus d'une demi-heure à jouer. Par le Barça. Carrasco. Ah oui, la bonne passe. Hors jeu, indique l'arbitre assistant. Ah, la bonne qualité de ses passes. Sergio Busquets. La bonne passe. Il l'a bien vu, c'est bien joué. Coutinho, et il était en position de hors-jeu. L'entraîneur qui le fait sortir. C'est qu'il n'a pas vraiment été à la hauteur dans ce match. On sent de la déception chez lui au moment de quitter la pelouse.
Et le joueur qui quitte le terrain, tête baissée. Oui. C'est un jour sans pour lui, hein. Il nous a habitués à mieux. Ok. Le Barça va pouvoir repartir. Ils ont repris ce ballon à l'adversaire. Il avance balle au pied. Le centre d'Ousmane Dembélé. Là qui repousse, c'est pas terminé. Ok. Thomas Lemar. Antoine Griezmann. Centre peut-être, allez. C'est un petit peu brouillon en défense, hein. Il est mal dégagé ce ballon. Oh, c'est contré ce tir. Atletico qui perd le ballon. Et c'est contré par le défenseur. Supporter qui sent venir l'égalisation sur ce corner, on dirait, c'est marrant. Messi. Ça part au premier poteau. Le gardien qui a à peine à s'employer pour se saisir du ballon. Un coup franc pour les Madrilènes de l'Atletico. Marc manifestement ne savait pas trop quoi faire avec ce ballon et bah, du coup l'a perdu. Ousmane Dembélé. Non, non, ça ne passe pas. Mario Hermoso. Il a possédé du ballon à l'Atletico. L'Atletico qui va devoir tenir maintenant. Parce qu'il va forcément y avoir une réaction du Barça, c'est ce qu'on se dit en tout cas. Ouais, ils vont souffrir les Colchoneros, mais même si aujourd'hui le Barça n'a pas vraiment montré qu'il avait les moyens de retourner la situation. Signalé hors jeu, il aurait dû attendre pour faire son appel. Il essaye d'étirer le jeu en passant par les côtés. Et Suarez. Mais il y va tout seul. Oh, la nouvelle occasion. Oh, le but pour l'Atletico. Et les Colchoneros qui comptent deux buts d'avance désormais. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. Il continue sa progression. Ouais, le défenseur qui enraye cette action. Le long de la ligne de touche. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Jordi Alba. Qui de Young. Peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Ça manque de monde hein, derrière. Ça, c'est un ballon perdu par Antoine Griezmann. La passe de Thomas Lemar, bien vue. Pas bien négocié, pas bien négocié ce ballon. Ouais, n'importe quoi, là, la relance du gardien qui met ce ballon en touche. Joao Félix. Carrasco. Il y a Suarez dans la surface. Ter Stegen qui intervient. Ah, bien joué, parfait ce tacle. C'est une touche à venir. Plus que 4 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ouais, bien arbitré là. Le Barça qui poursuit son action malgré la faute. Frankie de Jong. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Un petit peu de déchet dans le jeu de Jordi Alba qui perd la balle. Ouais, elle a mis beaucoup d'agressivité hein, dans cette intervention. Et ce centre qui est capté par le gardien. En haut, attention, ça presse. Il a un petit peu d'espace, il peut centrer. C'est récupéré dans le camp de l'adversaire. Il va y avoir un coup franc pour l'Atletico. Il s'infiltre, attention.
Luis Suarez. À toi, à moi. Elle est contrée cette frappe. Voilà le coup de sifflet final de l'arbitre et bien sûr des mines défaites avec ce mauvais résultat. Ouais, c'est vrai qu'on s'attendait à une autre réaction de leur part. Ils en ont été incapables. Tiens, on revient en deux mots sur la prestation de Luis Suarez. Très bon match pour lui avec un doublé en plus. C'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il enjambe comme ça. Donc, peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli.